Bonjour, en ce jour sur Gangstar Vegas. En ce jour, je vais vous montrer comment aller à la base militaire. Bon, tout d'abord, je vais monter dans une voiture pour aller trouver une moto. Je vous conseille d'aller en base militaire avec une moto ou une crosse. Les crosses, on les trouve pas en ville, on les trouve vers dans le désert. Bon, là il y a une moto, je vais la prendre. Bon, on prend la moto. Je vais mettre le GPS pour vous montrer où aller la base militaire. Bon, la base militaire, vous voyez le petit point vert en bas. Ça me gêne, c'est gros. Attendez. Ouais, vous voyez le petit point vert en bas. C'est tout en bas de la ville. Tout en bas. Le petit en forme de rectangle bizarre. Bon. On va y aller. Ça fait longtemps que je joue à ce jeu. Mais là, je viens juste d'avoir un nouveau téléphone. Et bah, mon compte, j'ai pas pu le récupérer. Et là, j'ai été obligé de tout recommencer. Bon. Voilà la base militaire. Regardez, vous voyez les crosses. Je vais en prendre une vite fait. Et je vais vous montrer un truc sur la crosse avant d'aller à la base militaire. Non, bon, après, à la prochaine vidéo, si je vois une crosse dans cette vidéo, je vous la montre. Bon, on rentre à la base militaire, 5 étoiles directement. Moi, je vais ici, comme cachette, je vais toujours me cacher ici, regardez. On rentre ici dans le hangar. Je vais toujours me cacher ici, vous savez pourquoi? Parce que regardez, ici, vous voyez les grosses voitures, les tanks, tout ça. Elles ne peuvent pas passer ici. Parce que si on est dans un endroit où les tanks peuvent passer, là c'est mort. Bon, on attend. On attend dès qu'on sème la police. Bah, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, on a semé la police. Par contre, là, si vous renversez un militaire ou vous le tuez, c'est 2 étoiles directement. Par contre, si c'est la police, bah, c'est 1 étoile. Vous voyez, vous pouvez trouver des tanks ici. Je vais vous montrer comment rentrer dedans. Là, vous rentrez comme ça. Par contre, vous voyez, si vous rentrez comme ça, vous sortez du hangar. Si vous sortez du tank en dehors du hangar, c'est 5 étoiles directement. Et les militaires qui vont rentrer dans le tank vont tirer sur moi. Et si vous touchez un tank où il y a un militaire à l'intérieur, bah ils vont vous tuer. Bah, vous pouvez sortir du tank ici. Et je vais vous montrer des endroits à ne pas y aller pour avoir 5 étoiles quand vous êtes à la base militaire. Regardez, vous voyez l'endroit tout droit devant moi. Il ne faut pas y aller là-bas. Si vous allez là-bas, c'est 5 étoiles. Et l'endroit aussi tout devant moi, là où je suis rentré, 5 étoiles aussi. Voilà. Je vais rentrer dans un hélicoptère. Après, je vais vous montrer. Après, là,
Non, je vais pas rentrer aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment voler un hélicoptère et voler un tank. Parce que regardez, je vais vous dire un truc. Si vous touchez un hélicoptère ou un militaire, un tank, une voiture de police, étoile directement. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand vous touchez? Regardez. Un hélicoptère, regardez qu'est-ce qui se passe. Attendez. Voilà. Voilà, vous voyez, il va tirer sur vous. Regardez, vous voyez, il va tirer. Et là, il va vous tuer. Bon, on va. Voilà. Bon, c'était. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager. N'hésitez pas à vous abonner rapidement parce que je vais faire beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts du tout. Et bah, tout ce qui me reste à vous dire, c'est salut.